C'est faible, non? My father. Moon explains a lot. But at the same time, all the real things we should be scared to death of? Food tolerance, contrails, banking conspiracies, Lyme disease, all the truths they don't want us to see? Then the government keeps very quiet. I'm about to explain everything. It's time to pull back the curtain, people. I love that metaphor for a reason. Again, that came up in a session about my father. Ah, j'ai cru que j'allais être crevé, je vais le faire, je attends, c'est pas possible. Quand je vais faire spawn le véhicule sur le petit parking, ça va être drôle. Je sens qu'il va se passer de dinguerie. Je vais peut-être un par contre. Ça par contre avec le Pounder je pourrais jamais aller Ah, quoique, non, même pas, c'est possible, ça rentre pas là-dedans, je m'éteins. Impossible. Perfect. Enfin, je prends une mule, au pire. Même une mule, c'est limité. Par contre, faut qu'ils augmentent la taille du poids du coffre, hein, parce que là, 360. J'ai l'impression d'avoir fait un. Bref. J'imagine que c'était de la peur de toute façon. C'est un chiant. C'est par là. Ah bon, je devrais les voir. Attends, ils m'ont dit qu'ils étaient là. C'est quoi qui brille là-bas, dégueulasse là? Ah, ça c'est bugué. Muse amuse. Bon, eux, faut que je les appelle pour foutre des pubs pour bénisse partout. Vraiment.
celui-là, je suis. Je viens de foutre sur le fond comme d'hab. Alors attends. Si je fais ça, est-ce que le chien va se foutre dans l'eau? Si je le mets sur le pont. Le chien devrait rester sur le pont, non? On va tester ça. Non, bon, on reste sur le pont. Quel abruti, sérieux. Incroyable. Ne dis pas qu'il est cané à cause de ça. Ah, ce serait une blague là. Oh là. Comment on peut faire? Attends, je vais essayer ça. Si je fais ça. Parce que si c'est ça qui l'a cané, c'est une blague là. Je vais mettre comme ça. Ouais, c'était un bug en fait. Ok, voilà. Ok. Pas que le Pinder, je vais te le remplir, mon gars. Ah, si Borg il vient, il va venir m'aider à pêcher, à remplir le camion. Obligé. Comme ça, quand le patron il va me filer un billet, je lui ferai la moitié du billet. Parti où, Jeff? Ah, pardon. Quand je suis sur le pont, le chien il monte la garde sur le pont, quoi. Vraiment, c'est excellent. Je suis tranquille là.
fils me demandera une toffe. 500 000 albums plus tard, ma tête a pas gonflé. Le prochain s'appellera Destin, je vais tout vous raconter. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus, le petit ami. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sol et nos parents ne font que prier. C'est vraiment dommage, on a vraiment aucun moyen de savoir s'il a faim ou pas. Ça fait chier ça. Eh bonjour. Ah mais vous êtes le mécano du Belize. C'est moi. C'est monsieur Nassir qui a eu un américain gratuit hier ça. Yes, c'est moi, c'est moi. Ah bah c'était okay. Toi qui étais... Ouais. Ouais c'est moi qui a fait le service. Mais... Et du coup vous avez retrouvé le teubé là qui a piqué la bagnole à Jess? Ah putain. Attends, je vais me rapprocher, attends. Ouais. J'ai une petite question. Vous ne criez pas James... comment c'est James Dugan? Parce que j'ai entendu à la course la dernière fois qu'il voulait reprendre le casino. J'aurais peut-être été intéressé pour travailler là-bas, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir son numéro, si vous l'avez bien entendu. James Dugan. Ah, hop. C'est ça, c'est James Dugan, hein, je crois. Ouais. Aucune idée. Jimmy ou James Dugan, je sais plus. En fait, j'ai plein de numéros, mais je sais même pas qui est qui, alors... Ah, d'accord. Attends, attends. D'accord. Bah, si vous avez un James Dugan qui traîne, c'est... potentiellement le futur ou peut-être déjà le patron de du casino. Ouais c'est ça, c'est James Dugan. Moi j'ai peur. Hein. C'est vrai que ça me... je me suis souvenu que je l'ai entendu parler. Non j'ai peur. Eh ben, écoutez, c'est pas grave, j'aurais essayé. Ouais pas de soucis, pas de soucis. Putain, je remets sur le pont. Ah. Ah, du coup, je viens de prendre un Pounder, là, le gros camion là-bas derrière. Là. Oui. Je viens de l'acheter et au final, on peut mettre que 360 kg dedans. Ah merde! Ouais, écoute. Ah oui, punaise, c'est. On dirait que la place est plus optimisée, mais non, finalement. Ouais, c'est complètement débile. Ouais, bah oui, parce que moi, sur le dans mon van, je peux ouais, mettre l'équivalent de 120 kg à peu près. Ouais, c'est ça. Mais ça devrait être ça, justement. Dans un van, tu peux mettre 200 kg, genre. Dans un camion comme ça, tu mets. Ouais, ouais. Au moins la tonne, quoi. Je sais pas. Ah, c'est pas encore au point quoi, c'est... tranquillement ça arrive. Ouais, c'est foutu, on verra. Au lieu de vouloir voir comment travaillent les entreprises, combien payent leur, combien sont payés leurs employés, il faudrait mieux de s'occuper un peu de tout le reste de l'économie. C'est ça. Et en soi, un camion comme ça, déjà, ça a un sens, ça a l'air. Comment? Un camion comme ça, pour 500 kilos, ça serait déjà pas mal, hein, là. Ouais, au moins ça, tu vois, au moins 500, ouais, c'est sûr, minimum, quoi. Vous l'avez payé combien? 51 000. Oh putain, en plus. C'est pas grave, c'est pas un problème. Ah bon, bah c'est bon, t'es tout. C'est pas une somme énorme. Mais ouais, c'est sûr que... Enfin, c'est sûr que pour la somme que c'est, ça fait chier d'avoir que 360. En sachant que dans la mule, il y a 360. Ah oui, donc autant acheter une mule, quoi. Eh ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. Faudrait faire un petit courrier au constructeur. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais faire une petite remontée aux assurances. Là. C'est pas ouf, quoi. Ouais, non, c'est sûr.
fois plus gros qu'un cul. Ah, peut-être pas deux fois, mais une fois et demie plus gros, quoi. Ah bordel, c'est pas très fluctuant aujourd'hui, hein, notre élément. Ah. Ouais. Si tu cherches les monstres, ouais, c'est sûr. Ça l'a toujours été. Si c'est les montres que tu cherches, ça a toujours été comme ça. Ouais, montre ou même moteur, parce que d'habitude j'ai un peu plus de chance avec des pièces de moteur. Oh, ah. Un petit peu tard. C'est un collègue ou pas? Ah bah oui, je crois que c'est... Oh putain. Je suis... Pire que moi avec une jambe cassée. Ah merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah je me suis fait renverser par un connard près du yellow, là il est sorti comme un fou du yellow et il y avait un accident donc je me suis arrêté pour voir si ça allait bien, bah du coup il y a eu un suraccident. Ah ouais carrément, merde. La jambe brisée. Oh putain, ah bah voilà, il suffisait de m'entrer dans des yellow reculés. Allez, une partie du moteur. Ah, y'a peut-être à faire. Non mais c'est black, j'ai l'impression. Ouais, de loin ça ressemble, ouais. Ah oui c'était... Ah bordel. Parce que je t'aime ça. Ah c'est une belle preuve d'amour. Ah oh, putain de désolé. Ouais c'est ça ouais. Elle est con. Tu vas où toi?
Reviens par là, là. Qu'est-ce que tu me fais? J'ai bien l'impression qu'il a faim. Attends. C'est un téléphone de merde. Bonjour. Qu'est-ce que j'allais dire, je... Si, j'ai dit comment ça va. J'ai pas entendu. Ah, merde, pourquoi alors? Et bonjour. Un peu moins énervé qu'hier, mais... Putain, mais oui, t'es là toi. Mais toujours. Mais je te jure que t'es trop distrait, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis pas à l'arpaillage. C'est ce que j'allais dire, là, t'es en train de faire ton petit passage tranquillement. C'est ça. Je vais essayer de remplir le Pounder là-bas, là. Ok, faut que je cherche mon camion, mais je sais plus, je l'ai foutu. Ouais. Mais j'ai acheté le Pounder pour que je t'ai gré de savoir combien on pouvait mettre à l'intérieur, et c'est 360 kg. 375, toi? 360. Ok, ouais, bon, c'est la même pour tous les kits, je pense. Ouais, c'est pareil que les mules. Mais bon. Oh, c'est pas grave. Donne des chinois avec ça. Ouais, je vais ramener ça là-haut. Ah, tiens, au pire, tu es tendre. Viens avec moi vite fait, on va tenter un truc. Ok. Ah, un peu. Au pire, Ryan, non, viens avec nous, tu montes dans la bagnole aussi, mais tu sais. Il va pas me suivre, ce con. Allez, viens. Ah putain, attends, j'ai oublié mon carton. Pas mal quand même. Il meurt sans arrêt. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il a faim, ce con. Au pire, je vais l'overfeed. Je peux pas me prendre la tête. Il me reste 45, ça. Je me demande ce qui se passe si je crache en jeu et que mon chien est dehors. Est-ce que le chien retourne automatiquement dans sa niche entre guillemets? Est-ce que... Aucune idée. Vraiment aucune idée.
c'est un con après. En vrai, un Punda, il devrait au moins mettre 1000 minimum. Parce qu'en général, quand t'achètes un Punda, tu vas forcément être en groupe pour le remplir. Et c'était exactement mon but en fait. Vu que j'ai mon pote qui a envie, je pensais faire ça avec lui, moi. Putain. Et du coup, 360 quoi. J'ai dans le cul. C'est super. Enfin, pour l'instant. Bon. Je vais quand même lui filer mon camion, pote. Je vais me démerder avec ça. Je vais laisser aller à leur paillage ou quoi. Je pars, je dis ça mais il en voudra pas du camion. Hier j'ai essayé de le refourguer, il m'a dit non. Ah bien écoute. On verra bien. En vrai, je devrais aller au Beniz avec, voir si je peux pas le modifier sur la table. Sur les bancs. Ah ouais, j'ai même pas besoin de le mettre sur le banc. T'as kiffé, il passera pas sur le banc. Je sais même pas s'il rentre dans le machin en fait. Ouais, je teste après. Je crois que les portes elles sont trop basses. Oh, c'est sérieux. Le plus drôle, c'est que le patron il soit là en RP. Faudrait qu'il soit là en RP quand je verrai mieux le camion au garage. Il va péter un câble. Et par contre du coup les bikers ils sont barrés trop vite tu vois. J'étais en train de proposer alors. J'étais en train de penser à leur proposer un service ou quoi avec le camion. Oh, ils reviennent. Ah c'est eux ça. Ah bah attends. Pour une question de RP, je devrais mettre une oreillette sur le personnage. Ça, ça ferait RP quand les gens genre disent « Ah, j'écoute la musique. Je t'entendais pas. Faudrait que je fasse ça vraiment.
pense que j'aurai mieux que la musique. Laisse-moi te pêcher tranquille. Par contre, il va vraiment falloir que je fasse attention avant de ranger dans certains parkings. Pas que je fasse le con.